Je dois nommer un animal. Ah. Lapin. Oh, je vais mettre ma tête dedans. Un dur. N. Non. J'ai peur. C'est serpent. Arrête de souffler, t'en mets partout. Il y avait hibou. Vélo. Bah, oh putain. Mais c'est un gros stage. Je veux voir. Un hamster. Non. Je te parle. Vas-y, tu mets de la farine partout. Un hélicoptère. Bah, un hélicoptère, c'est pas d'un 10 balles. On dirait une neige. Un cul. C'est ta tête, le cul. Bah, ça existe pas. Une hyène. Ah si. Je veux en trouver un. Un raton laveur. Il y avait renard aussi. Je te porte là. Un zizou, c'est un animal. Je jure, c'est un animal. Mais on dirait pas une vieille. Et pourquoi ça s'est parti sur le côté? Il t'en refait un. Non. Non. Putain, je te jure, tu fais le ménage. Test de confiance. Tiens, mets le bandeau, bande-toi les yeux. Pourquoi? Et va t'asseoir à la cuisine. Non. Viens t'asseoir ici. Non, qu'est-ce que tu fais là? Aïe. Donc là, j'ai pris un truc dans ma main. Hey, tu triches pas! Bébé, arrête, triche pas! J'ai un truc dans ma main. Mmh. Donc là, je vais le mettre. Et j'ai rajouté un truc. Vas-y, t'es chante avec tes trucs chelous là. Vas-y. Putain, t'es pas drôle là, Alia, avec tes trucs là. Oh, putain, là! Tu parles pas comme ça. Vas-y, là, faut que je mélange. Vas-y, ça y est, la mienne en neuf. Vas-y. Vas-y, ça y est, la mienne en neuf. T'es même pas drôle, la fille de ma mère. Vas-y, bah bois, y'a rien. Y'a quoi? Y'a quoi? Vas-y, y'a quoi? Qu'est-ce que t'as même pas goûté? Mais vas-y, bois! Mais bois! Mais y'a. T'as mis un truc chelou dans le verre. J'ai senti, j'ai goûté. Mais t'es sérieux ou quoi là? Vas-y, bois! T'as mis un truc dans le verre, vas-y, Anya, là, déplay là! Putain, t'as mis quoi dans le verre? Mais j'ai pas mis! Je parle sur le téléphone devant pour voir leur réaction. Ouais, c'est Zizou, je peux plus l'avoir. Olivia, c'est pareil, cette grosse vache, je peux plus l'avoir. On est là. Non, hein. La vérité, les deux, je peux plus. Ouais, j'arrive plus avec eux. Comment ouais, ça, mais, tu non, peux mais pas comme avec je t'ai dit, Zizou, je vais le quitter, c'est juste une question de allô temps. Allô et Olivia, allô mais je vais là un ami avec elle. Allô mais, allô allô elle m'a traité de allô attends, allô attends, ouais, je suis dans un tunnel. Allô, allô ouais, allô, ouais, allô, ouais, allô. Ouais, allô. Ouais, allô. Comment ça, tu vas me quitter? Moi, je suis une grosse vache. Attendez, mais vous avez fait vite. Arrête de faire genre, arrête ton ciné. Miami? Hein? C'est quoi Miami? Tu veux le quitter? Non, on va pas à Miami. Hein? T'as dit à Miami avec toi et moi? Non. Non, mais t'es ma belle-mère, Olivia, toi t'es mon mec. T'as dit il y a deux secondes, tu veux pousse, le quitter. Pousse, t'as pas de salle de moi, non, déjà. Non, mais je rigolais. Pousse, t'es pas de salle là. Non, mais vous avez pas entendu? Mais non, mais en fait, maman, elle vient de dire qu'elle elle parlait de son mec Zizou et de sa belle-mère. Et je lui ai dit, mais t'as raison, ouais, mec. Et Olivia, je m'appelle comment? Olivia, ouais. Belle-mère aussi, elle s'appelle Olivia. Ouais. Genre. Ouais. C'est pas de notre gueule. Ouais. Mais j'ai pas fait. Maman, viens, moi je propose quelque chose, t'as vu? Quoi? T'as vu, là elle veut faire la meuf. Mmh. Moi maintenant j'ai un vrai truc à dire. T'as quoi à dire? D'accord. Vas-y, t'as quoi à dire? Je lui dis la vérité ou pas, maman? Moi tu peux là, parce que là elle m'a énervé, la main. Et bah sur la vie de ma mère que je t'ai trompée. Avec qui? Me touche pas, enlève. Avec on qui est plus ensemble. Avec on qui est plus ensemble. Moi je lui donne raison, tiens. Avec qui? Je lui donne raison. Ah putain! Elle était bien. Elle était bien belle. Hein. Je sais que t'as. Elle était bonne comme on dit. On claque la porte de sa voiture pour l'énerver. Merci. On revient. La porte! Maman, viens! Viens! Viens ici! Tu peux fermer la porte, maman, s'il te plaît? Ouais, par contre, parce que là, ma voiture. T'es chiante un peu, toi! Très bien. La porte! La porte! Tu peux dire à ma mère, ferme la porte, maman, fort, c'est ma voiture, c'est ma Mercedes quand même. Vas-y, je reviens, je vais lui dire. La porte! Anya, viens, je te dégomme! Viens ici! Maman, tu peux dire à Anya la porte moins fort, s'il te plaît, ça coûte cher. Je vais lui dire, mais vite! Finalement, il fait plus froid, j'arrête un peu plus, merci. La porte! Je vais vous pisser dans la bouche! Bébé? Oui. T'es sûr que je vais pas faire pipi, toi? Non, je vais pas faire pipi. La porte, s'il te plaît, doucement. Ouais, pas de soucis. Je vais péter un câble. La porte! Je vais te pisser dans la bouche! Viens ici! Viens! Anya! La porte, moins fort, s'il vous plaît, ça coûte cher, bordel. Tu vas faire caca?
Je veux pas faire caca et je veux pas faire pipi. T'es sûr? Allez, viens, viens. Oh! Elle me connaît par cœur. Bébé, viens. On fait un jeu. J'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie. Allez, viens. On va faire un jeu. Alors, je t'explique. Le premier qui boit tu sais que son verre doit payer un cadeau de luxe à l'autre. Ah ouais. Donc, si tu vois un sac Chanel, c'est le moment. T'es prête? À la tienne, ma belle. 3, 2, 1, go! Dis Siri, appelle ma copine. Dis Siri, tu peux appeler ma copine, s'il te plaît? D'accord, mais quelle copine? Léa, Sandrine, Sarah, Lucie, Miram, Annabelle, Lolita, Chloé, Sophia, Cindy, Inès, Olivia, Kenza, Elsa, Nema, Morgane, Lisa, Marjorie ou Anya? Ou Anya, genre en dernière. Bah, le meilleur pour la fin. C'est qui tout ça? Tu parles avec tout ce monde là? Bah. Mais tu me dégoûtes. Tu sais quoi? Je vais rester dans cette voiture. Tu vas mettre le moteur. On va aller dans chacune de ces pétasses. On va les sauver chez elle, ok? Tout de suite? Tout de suite, dépêche-toi. Mets le contact! Marjorie, Lisa. Mais putain, mais je vais péter un câble. C'est qui tout ça? Je démarre. Démarre, dépêche-toi. Ah, attention. Bébé? Oh, ça fait quoi si je prends ton contact, je fais ça? Non, non, non! Mais c'est relou! Quoi? Putain, mais mon fond là! Ça, c'est non, non, non! Mon coup d'oreille! Arrête pas, tu vas péter là, t'es sérieux? Non, vas-y, je vais péter. T'es sérieux? Vas-y, mais moi, ça fait quoi? Oh. Je prends ton téléphone et je le fais tomber par terre, ça fait quoi? Oh, le téléphone! Oh! Mon père, va péter un câble! On va prendre les ciseaux, on va lui faire croire que Maxi c'est mon mec, il va péter un câble, hein, bébé. Ouais, ouais. Il est en train de répondre, hein. Pourquoi il met du temps comme ça? Allô, bébé, tu fais quoi? T'es où? Bah là, je suis en train de refaire la maison. Oh là là, tu bugs. T'arrives quand? Non, je bug pas, hein. Oh, quoi? Regardez, Zizou, il est en train de marceler, il fait que de m'appeler. Non, mais il s'arrête jamais là, par contre. My god, il arrive en courant, je vais me faire tuer. Oh non, j'ai trop peur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il prend une chaise? Mais pourquoi il prend une chaise? Par contre, je rigole pas. Oh, j'ai trop peur. Doucement. Ah, j'ai dans le lit. Mais c'est attends, dans le bébé lit. Je vais tout t'expliquer. Aujourd'hui, c'est à mon tour de les pranker. Je vais les rendre fous, ces deux-là, aujourd'hui. C'est trop bien hier soir. Ça fait rire en plus que ça fait. Mais ça se voit, c'est la culotte à ta mère, c'est signé à ta mère ça. Mais pas du tout, mais ça a dit ça. Hier soir, j'ai dormi avec ma mère, t'es même pas prêt, t'as dit.
Et genre, je vous explique, Anya, elle a trop mal au ventre et elle pense que c'est le bébé alors que c'est pas le bébé, ça fait que 3 semaines. Si, c'est le bébé. Mais non. En tant que bon gentleman, je vais te préparer à manger, mon cœur. Pas n'importe quel manger. Je vais lui préparer un mac and cheese au chèque. Je vais lui préparer un shape au chocolat. Que je vous explique, la nourriture sauchée est une nourriture qui est 100% saine. Et Anya est habituée à manger que des McDo et tout. Elle va pas du tout aimer, elle va péter un câble. 120 ml d'eau, les macaronis. 5 minutes au micro-ondes. On verse tout le chocolat, ça sent trop bon. Et on secoue fort. On rajoute la poudre mac and cheese. On mélange tout. Elle va se régaler. Ou pas, la suite de la vidéo sur le compte de sauchée. Je plane Fanny avec une tenue horrible pour aller au restaurant. Il est tout nu maintenant. On a pris 30 minutes pour retirer juste une guirlande. C'est parti maintenant, on va sortir dans la rue. Merde, je l'ai cassé. Hein. Voilà. Attends, c'est ça un sac poubelle de sapin? Bah oui. Non. Mais c'est... C'est une blague. Wow. Est-ce que tu vas vraiment porter ton enfant comme ça? Parce que tu me fais peur là, comment tu portes. Bah, je porte bien là. Non mais c'est une blague, il est tout déchiré là. À quel tu le portes bien? Et on n'oublie pas de le mettre dans les cages à sapin. Oh, il y en avait déjà, bye. Je ne l'embrasse pas pour voir sa réaction et elle m'a fait trop de la peine. Okay. Ça va? Mmh. Attends, s'il te plaît, laisse-moi rentrer tranquille. Bah, tranquille. Qu'est-ce que t'as? Bah, non, même pas, non, je viens de rentrer, je suis fatigué. J'ai porté tous les cartons du déménagement, je suis mort. Mais je t'ai préparé à manger. Bah, ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. T'as faim? Bon, vite fait. Tu m'as tranquille. Ah, s'il te plaît, là. Non, je viens de rentrer là, tu m'agresses avec tes câlins et tout là. Ah, non, c'est lâche-moi là, t'as pas de câlin, Anya. Je t'ai dit, je viens de rentrer, je suis fatigué. Mais non, mais. Sérieux? Bébé? Mais moi, je veux pas t'embêter, je veux juste qu'on passe une soirée ensemble. Ouais, c'est gentil, tu m'as préparé un plat et bah mange-le toute seule. Pourquoi? Bah, parce que là, je suis fatigué, tu vois, là, j'ai envie d'aller me poser dans le lit, tout seul. T'as pas faim? Non, j'ai pas faim, bébé, là, tu me saoules là. Bébé. Arrête de prendre ta petite voix. Quoi? Oui. Tout ça, tout seul, oui, vraiment. Mange toute seule comme une pauvre fille. Allez, bonne nuit. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux, Anya. Ouais, c'est... Je rigole. T'es trop méchant, j'ai vraiment cru que tu voulais pas. Oh, ça va pleurer pour ça. Non, mais j'ai cru que tu m'aimais plus. On échange notre trousse à maquillage. C'est parti, je vais maquiller avec du maquillage qui n'est pas le mien. J'adore, elle a une petite crème hydratante, donc je vais m'hydrater le visage. J'ai hydraté mon visage et franchement, sa crème, elle est trop trop bien. Elle a quoi? La musc intime? Attendez, je vais m'en mettre un peu, ça sent super bon. J'ai commencé à faire mes sourcils, donc Fanny, elle utilise le gel Anastasia Beverly Hills et la pommade. J'ai bien plaqué mes sourcils. Waouh! Je viens de finir de plaquer mes deux sourcils et avec ce groupillon, je vais venir... Hop! Elle utilise le fond de teint Giorgio Armani, donc on va le tester. Utilisez le Beauty Blender de Fanny et je vais venir l'humidifier. Allez, c'est parti. Fanny, désolée si tu passes par là, je vais vider ton pot. Est-ce que le fond de teint Giorgio Armani est bien? Et franchement, il a l'air pas mal. Et je suis choquée parce que Fanny et moi, bah, on fait la même teinte, j'ai l'impression. C'est un anti-cerne Kat Von D, donc on va le tester tout de suite. Et franchement, ça fait trop bizarre de pas se maquiller avec son maquillage. Je vais utiliser ce pinceau pour l'anti-cerne. Voilà ce que ça donne pour le teint. Ensuite, Fanny utilise ce bronzer de chez Too Faced. Ouais, ça va, pas mal. Et elle utilise ce blush de chez Too Faced et la teinte, c'est Golden Hour. On va voir ce que ça donne. Très, très Barbie. Waouh, très Barbie girl. Elle utilise ensuite un contour des lèvres Sephora. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est trop clair pour ma teinte. Highlighter, elle utilise un highlighter de chez Action. Donc, on va voir ce que ça donne.
Oh, il est incroyable. Fanny utilise ses fossiles XXL et je dois remettre ça. J'ai très peur. Waouh, ils sont trop beaux. J'utilise ensuite un gloss de chez Dior. Et ça sera la touche finale parce que je crois que j'ai tout utilisé dans sa trousse. Et voilà ce que ça donne, un maquillage by Fanny. Dites-moi si vous aimez bien. C'est parti pour Zara. Vous allez voir comment je suis en petit chat maintenant. Les gens, il est 15h49 quand on rentre dans le Zara. Voilà les gars, je suis en train de tourner dans le Zara. Et elle sait même pas ce qu'elle veut le pire. Est-ce que vos meufs aussi, elles touchent et elles relâchent et elles partent? C'est une blague. Je suis un porte-manteau maintenant. Il n'y a que Anya pour passer dans des petits endroits. Regardez, elle touche et elle repasse à autre chose. Et elle repart. Les gens, je suis en PLS, j'en ai marre d'être un porteur là, sérieux. Les gars, je suis seul dans cette situation. Enfin, on va en caisse. Tu te fous de ma gueule, Anya, s'en bat la caisse. Il est 16h30 et on vient à peine de passer en caisse. Ouverture de mon calendrier, jour 5. Ma vie, tu penses que tu as quoi aujourd'hui? C'est quoi? On dirait un bijou. C'est une bague de fiançailles. Fanny, elle, depuis tout à l'heure, elle sauce. Alors, il n'y a rien à voir avec ça dedans. Tu vas demander en mariage? Mais quand il bague quartier, Anya, la bague love. La bag love comme moi. Arrête de mentir, je te crois pas, puis ça rentre dedans pile poil. Ok, je vais te... Non, je te jure, en vrai, c'est pas ça, mais c'est bien. C'est pas ça, mais c'est bien. Histoire d'or. C'est quoi? T'aimes bien quand c'est histoire d'or? Oui. C'est quoi? Fanny, on ouvre en même temps. 1, 2, 3. Oh. Oh. C'est des boucles d'oreilles. C'est canon. Elles sont trop belles. On elle aime pas. C'est pas assez cher pour elle. Anya, elle aime bien ça quand ça... Ça coûte 1000 euros. Mais la même pas la même marque. Bon, t'aimes bien ou pas? Merci, madame. Dis-moi la bouche, j'ai l'impression. T'as pas l'air de trop aimer. Hein. Si, franchement, j'aime bien ma vie, mais là, j'ai des boucles d'oreilles, du coup, je les mettrai demain ou après-demain. Ouais. Mais non, je te jure, j'aime bien la vie, navire, merci. Ma femme est une psychopathe. Quoi? T'as rien à me dire? Mais quoi? T'as quelque chose à me dire ou pas? Mais non. Tu l'as fait pour être le truc de ta voiture, il a bougé de 4,5 km? Mais j'ai vraiment du tout bougé avec la voiture, bébé. Tu vas voir une pétasse. Mais non. J'ai la preuve. Vas-y, montre-moi la preuve. Regarde. Ça a bougé de 4,5 km. C'était pas comme ça ce matin. J'ai la preuve. T'es parti voir qui? Je suis parti voir personne. Mais personne. Pourquoi la voiture, elle a bougé? Mais la voiture, elle a pas bougé. Regarde les kilométrages. Les kilomètres, ils ont bougé de 4,5 km. J'ai la preuve. Oh là là. Eh ben, je suis parti à l'épicerie. À l'épicerie, 4,5 km. Tu te fous de ma gueule ou pas? C'est même pas 1,5 km, l'épicerie. Bah, je suis parti à Auchan faire les courses. Ma gueule, non mais là bébé t'es en train de me saouler pour... T'es parti voir qui à 4,5 km? Mais t'es malade. On dirait un dindon. Dépêche-toi. Mais t'es malade, tu me fais peur là. J'ai la preuve. Bon, je peux aller dans ma voiture? Bien sûr que non. Non, Anya là s'il te plaît, on n'a pas 4 ans. Bien sûr que non. Je suis parti voir personne. Je suis parti voir un mec à 4,5 km. Non mais je rigole, en vrai je suis parti voir ta soeur. Elle a plus de tampon. J'ai kidnappé le sac à Fanny et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. J'espère pour toi qu'elle va être bizarre. Hein. Fanny, tu te fous de ma gueule? Non, mais je suis pas sereine. Pourquoi il y a une éponge? J'en ai tout sale. Mais pas que tu dévoiles ça, ça fait ça. Un truc dur, c'est quoi? Quoi, mais des fausses cocognettes? Non, 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 mais c'est pas ce que je crois. Mais pas du tout. Tu tapes le visage avec des écouteurs, ok. Des écouteurs à fil, les gens ils vont se moquer de moi, mais j'ai pas assez de sous pour m'acheter des AirPods. Des... Mmh. Hein? Pourquoi t'as ça dans ton sac? Non, non, mais là tu dois tromper. Mais Anya, c'est toi, tu me les as mis, tu me les as rajoutés. Oh non, bon, ok, c'est bon, faut toujours se protéger de toute façon. C'est vrai, faut se protéger. Okay. J'ai rien à dire sur ça. Genre, des billes qui traînent dans un sac. Fanny, t'as pas de porte-monnaie ou c'est comment? Ben, ah bah, si, rien, mais. Il est tout vide, il y a rien dedans. C'est quoi ça? Alors, ça, c'est ma pommade à sourcils, c'est mon truc préféré. En fait, au fur et à mesure de la journée, il s'efface. Un gloss. Mais quoi, tout le monde a ça. Ok, toutes les filles ont ça dans leur sac. Tu maquilles. Je l'aime trop, le baume à lèvres, la neige, vraiment, c'est le meilleur. C'est le meilleur. J'aurais dû nettoyer mon sac, mais je pensais pas que t'allais vouloir faire cette vidéo. Et prise. Elle marche même pas en plus. C'est quoi ça, mais. En fait, il y a un truc que je t'ai jamais dit, mais mon rêve, c'est de faire The Voice. Et t'as vu, là, j'ai la voix cassée parce que je me suis trop entraînée avec ce micro. T'es sûre que tu l'utilises pas pour autre chose? L'échappe de l'équipe de France. Mais non, mais en fait, c'est pas le même, toi, de base. Mais ça, c'est mon mec, il m'a donné. Tu te souviens pas? Je t'avais dit. Et pourquoi tu mets dans ton sac? Mais leur montre pas parce qu'après ils vont se poser trop de questions. Les gens, comme je vous ai expliqué il y a pas longtemps, ma mère elle a des gros problèmes de santé et je crois que ça s'aggrave et je sais pas quoi faire dans cette situation. On va lui préparer une petite collation.
rien de mieux qu'une tartine de Nutella pour retrouver le sourire. On met le chocolat dans le lait chaud. On mélange un peu de sirop d'érable, quelques petits céréales. Regarde tes petites bouteilles. Oh. T'es pas bien, on te remonte le moral. Oh, mais c'est une blague. Mais non, la télé. Oh non. On rend folle ma mère grâce aux caxons des gens. Mais là, Anna, est-ce que tu te rends compte que ma mère elle va devenir malade mentale? Non, tu conduis, viens. Non, je m'en vais. Si, allez. Ah, t'es relou, là. Franchement, je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il a? Eh, ma belle, là, je suis pas intéressée par les femmes, là. Non, ma belle, je souris et tout. Ouais, je me souris. Lame. Oh, ok, mais c'est pas la journée ou quoi, là? Attends. Ouais, je klaxonne, là. Je sais pas, elle me trouve belle ou quoi? Eh, j'ai besoin de personne, là. Des célibataires? Attends, non, mais c'est pas grave. Là, même, il a pas à me regarder comme ça. Eh, tu vas sourire? Non mais attends, qu'est-ce qu'ils ont tous là? Hé hey! Mais merde, qu'est-ce qu'ils ont tous là? Mais c'est pas vrai! Attends, j'y crois pas. Hé hey, l'air! Attends, oh mais hé hey! Mais c'est le feu, il est rouge! On va passer au vert, non? Mais qu'est-ce qu'ils ont là? Oh! Alors? Hé, hey, c'est le festival alors! Je sais que je suis belle, mais quand même! Je suis pas encore mannequin, voyons! Vraiment. Ouais, tu veux me gérer ou quoi là? Demi. Eh oh! Trouve le sous là ou quoi là? Il veut ton snap, maman. Y'a pas de snap! Ce qu'il veut celui-là là? Avant, c'est vert! Oh, j'ai pas vu, mais c'est pas obligé de klaxonner comme ça comme un mandat, non? Attends. Tu gênes! Mais je gêne, mais 2 minutes! Oh, papillon rose là! C'est pas vrai ça! Je viens d'arriver, il faut que je récupère Anas. Car il a des nouveaux cheveux! En Turquie, il est 00h11. Et puis ce matin, il se fait charcuter, c'est parti, on va voir le résultat tout de suite. Les gens, il y a Anas. Ça va ou quoi? Waouh! C'est pas propre, hein? Ah non, c'est ça fait. Non, c'est propre. C'est propre parce qu'en vrai, après, t'auras des vrais veuches. Faut qu'il faut qu'elle tombe, et après, j'aurai des vrais cheveux. T'as mal ou pas? Ah, il y a une petite douleur quand même. Les gens, je vous jure, il veut pas assumer, ça se voit, il a eu bien mal. T'as pleuré ou pas? Non. Ça? J'ai eu des... Moi j'ai entendu comme quoi t'as fait un petit malaise. Hein. Et du coup, c'est comment tu recends le pansement? Non, demain ou après-demain. Non, on vit pas parce qu'il va casser les couilles. Bon, les gens, direction l'hôtel, je vous montre le résultat final quand on retire le bandage demain. Les gens, je vous jure, il est en train de me motiver. Est-ce que je me fais ma barbe demain? Parce que je rentre à Paris dans 2 jours. Donc le dernier jour, c'est demain pour le faire. Dites-moi dans les coms, j'hésite, j'ai trop peur. Bon les gens, ce taré va faire une greffe de cheveux parce que bah il est chauve. Nas, ouais. T'as peur ou pas alors? Non, ça va. La vérité? La vérité, j'ai pas peur. Tu me filmes là? Mais non, même pas. Oh la vie, ma mère, j'ai trop peur. Allez, go. Bon les gens, là on est dans la clinique, on attend qu'ils voient le chirurgien. Et moi du coup, j'hésite, j'ai trop envie de refaire ma barbe. T'en penses quoi? Ah ouais? Boucher les trucs. Tu penses? Ouais. Donc là, les gens, c'est la pré-consultation. On regarde ses cheveux qu'on peut prendre. Ah, regardez, les gens, c'est son crâne. Il est sale ton crâne, Anas. Les gens, imaginez, Anas, il a des poux. Là, les gens, c'est la deuxième analyse. Je vous jure, il est en panique, quoi. Je souris, frère. Anas, là, il y a un gros problème. Regardez ce qu'elle a dit, la dame. Là, on va voir s'il y a moyen de faire la greffe pour vous. On attend les résultats. Si les résultats sont bons, il y a moyen de faire la greffe. Mais s'ils sont pas bons, là, je peux pas vous dire, je peux pas vous garantir. Mais au moins ils sont pros, tu vois, ils te font pas n'importe quoi, mes frères. Là on est venu en Turquie pour rien. Peut-être, hein. Les gens, la clinique ne savent pas parce que Anas n'a pas assez de cheveux. Bon, du coup, je vous tiens au courant dans le prochain TikTok et je vous dirai si je fais ma barbe aussi dans le prochain TikTok. Les gens, regardez, Anas il a des cheveux. Dans 2 minutes, boula ZZ. 3, 2, 1, let's go. Ah ouais. Ah ouais frère, ça change là. Oh. Oh. Je peux faire. Je peux lui raser. Ah, tu fais doucement. On vient. Va pas d'un coup, ça met tout chaud.
Je suis un coiffeur, les gens. Qui veut Zizou Barber? Et maintenant, regarde-moi, tu restes comme ça. Anas. Non, mais doucement. Ça y est, les gens, il a presque plus de cheveux sur son crâne. On retire les petits cheveux. Le résultat de la boule à ZZ dans 3, 2, 1. Ah là là, le BG. Les filles, dites-moi. Je vous explique, on vient d'avoir les résultats et regardez ce qu'elle a dit, la dame. La graphe, elle va être bien dense. Parce que les analyses, le résultat, elle est vraiment bien. Tu vas te faire charcuter. C'est bon. Quand vous avez la chute de cheveux, ça a commencé quand exactement? Depuis 2 ans. Okay. Les gens, j'ai même pas eu de produit, moi. Les gens, il est pas trop choupinette avec sa petite queue, son petit serre-tête. Les gens, regarde tout ce qui va se faire greffer. Putain, t'as un vrai trou dans le crâne, toi. Mmh. Il va me dessiner une barbe. Là, les gens, il est en train de regarder mes cheveux pour qu'on les réinjecte dans ma barbe. En gros, si je refais ma barbe, ça va donner ça. Dites-moi dans les commentaires si je refais ma barbe parce que j'hésite vraiment. Parce que regardez tous les trous que j'ai. Même là, j'ai grave des trous et ça poussera jamais, il m'a dit. Les gens, Anas, il a fait la boule à ZZ. Bon, les gens, c'est l'heure pour Anas de partir. Est-ce que tu stresses? Ça va. Bon, allez, vas-y, attends. Allez, ciao. Ça y est, les gens, ils partent. Du coup, moi, les gens, je vais pas pouvoir faire ma barbe parce que ça laisse des cicatrices et j'ai bientôt mon émission à tourner, donc c'est impossible. Je vous montre le résultat quand Anas sort du bloc opératoire dans le prochain TikTok.